Je vous souhaite la bienvenue dans ce parcours qui nous emmènera dans les salles du château de Versailles et au Trianon de marbre pour évoquer une question qui est celle de savoir qu'est-ce que signifiait peindre pour Louis XIV. Comment les peintres pouvaient-ils entrer au service du roi? Quels étaient les besoins et les attentes royales? De quelle marge de manœuvre les peintres disposaient-ils pour répondre précisément aux attentes royales? Comment les peintres étaient-ils rémunérés? Autant de questions qui se posent lorsque l'on essaye de comprendre les particularités inhérentes à ce que l'on peut appeler la peinture de cour. Alors, l'un des principaux moyens de travailler pour Louis XIV était d'abord d'entrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture. En effet, ce sont les peintres académiciens qui bénéficiaient des commandes les plus prestigieuses sur les chantiers royaux, et ce sont eux aussi qui jouissaient de privilèges liés à la protection royale. Alors, cette institution a été fondée en 1648 sous la régence d'Anne d'Autriche, alors que Louis XIV était âgé seulement de 10 ans, et c'est une institution qui immédiatement a constitué un véritable vivier de talents pour le roi. Alors, comme élève, on apprenait une fois par semaine à dessiner d'après le modèle vivant sur les bancs de l'académie, dans un petit amphithéâtre. Et pour être reçu au sein de l'institution, eh bien, il fallait d'abord démontrer ses capacités de peintre ou ses capacités de sculpteur, en présentant un morceau d'agrément. Alors, c'est le nom que l'on accordait à ce type d'œuvre, voilà, que l'on présentait devant une assemblée d'académiciens qui jugeaient la qualité de l'œuvre. Alors, si cette œuvre était considérée comme satisfaisante par les académiciens, le jeune candidat devait produire ce qu'on appelle un morceau de réception, c'est-à-dire un chef-d'œuvre dont le sujet était imposé pour pouvoir compter ensuite parmi les membres de l'académie. Alors, pour les peintres d'histoire, les sujets choisis visaient précisément à glorifier le roi. Par exemple, le peintre René-Antoine Wasse s'est vu demander en 1673 de réaliser un tableau qui représentait Hercule, qui est en train de terrasser l'hydre de Lerne, un monstre à sept têtes, et ce monstre à sept têtes faisait directement allusion à la guerre de Hollande et aux victoires toutes récentes du roi, et donc on était en pleine actualité, et ainsi à l'Académie, eh bien, on louait les peintres, les artistes louaient, eh bien, la gloire du roi. Alors, une fois qu'on était admis, hein, un académicien pouvait se prévaloir du titre très convoité de peintre du roi, et il pouvait gravir également les échelons de la hiérarchie au sein même donc de l'institution, en devenant d'abord adjoint professeur, puis ensuite professeur, éventuellement pour les plus talentueux, recteur de l'académie, ce qui conférait à ces artistes bien un statut privilégié dans le monde des arts, et également une position sociale tout à fait confortable. Pour un commanditaire, pour un collectionneur qui souhaitait embellir son hôtel particulier ou acheter des tableaux, eh bien, employer un membre de l'académie lui garantissait finalement eh bien, un niveau de qualité très élevé et une bonne réalisation des travaux. Et en plus, comment dire, eh bien, il pouvait ainsi eh bien, bénéficier aussi d'artistes qui avaient travaillé directement pour le roi et dont le prestige pouvait rejaillir sur lui-même. Même si on était académicien, en revanche, il fallait, pour travailler sur les chantiers royaux et obtenir des commandes prestigieuses, avoir de bonnes relations avec une administration qui s'appelle la surintendance des bâtiments du roi. Et eh bien, cette administration était principalement en charge de tous les embellissements des demeures royales, mais aussi de la gestion des manufactures de la couronne, par exemple, manufacture des Gobelins, et de manière générale, les bâtiments du roi devaient
construire tout ce qui concerne la glorification du roi par l'image, par les arts, par les bâtiments, puisque construire des bâtiments était une vertu princière, un devoir princier au XVIIe siècle. Alors, comment être introduit dans les rouages de la surintendance? Eh bien, d'abord, le surintendant des bâtiments du roi était, sous le règne de Louis XIV, le véritable grand décideur sur le plan des arts. Et cette charge fut d'ailleurs occupée par deux grands ministres, qui sont Jean-Baptiste Colbert et le marquis de Louvois. La surintendance des bâtiments du roi, elle, gérait les pensions royales, elle gérait également aussi l'attribution de logements et aussi d'ateliers pour les artistes, ce qui était très recherché. Les artistes souhaitaient obtenir un atelier au Louvre et pour cela, eh bien, ils devaient avoir déjà servi de manière satisfaisante le roi et aussi bénéficier d'un solide réseau et de bonnes relations avec la surintendance. Alors, dans les rouages complexes de cette administration des bâtiments du roi, il y avait une figure clé qui avait un rôle d'intermédiaire entre les artistes et le surintendant. Et cette figure, c'est le premier peintre du roi, le premier peintre du roi qui était responsable de la direction des grands chantiers et qui devait fournir eh bien, des dessins pour toutes sortes d'ouvrages, par exemple pour des plafonds, pour des portraits, pour des œuvres de mobilier, pour des sculptures, et également pour des cartons de tapisserie. Et pendant plus de 20 ans, cette charge fut remplie par un artiste qui s'appelle Charles Lebrun et qui jouit alors, hein, au temps de Louis XIV, d'une position tout à fait exceptionnelle dans le système des arts. Alors aujourd'hui, Lebrun est surtout connu pour avoir peint la voûte de la Galerie des Glaces, qui est l'espace le plus prestigieux du château. Il est connu donc pour avoir représenté les hauts faits de l'histoire de Louis XIV dans les années 1660 et 1670, notamment ses victoires militaires sur ses ennemis européens. Et ces événements ont permis à Louis XIV, précisément à la fin des années 1670, eh bien d'occuper une place tout à fait considérable dans la géopolitique européenne. Alors Charles Lebrun était aussi directeur de la manufacture royale des Gobelins, il était directeur de l'Académie et il était également garde général des tableaux du roi, c'est-à-dire qu'il était responsable des collections de peinture de Louis XIV. Et à ce titre de garde des tableaux, il devait également veiller à ce que l'ensemble des décors peints qui ornaient les demeures royales soient parfaitement entretenus donc tout au long du règne. À la mort de Lebrun en 1690, eh bien, cet artiste avait une fortune tout à fait considérable qu'il avait pu amasser grâce à notamment sa pension annuelle de premier peintre qui s'élevait à 13 000 livres, qui était une somme exceptionnelle, donc qui touchait donc tous les ans, à laquelle il faut ajouter également de nombreux revenus tirés de commandes qui étaient faites pour des particuliers et qu'il pouvait honorer lorsque le service du roi lui permettait. Mais c'est toujours le service du roi qui primait sur toutes les autres activités du premier peintre. À Versailles, Lebrun a fait donc toutes sortes d'ouvrages dont certains sont détruits malheureusement aujourd'hui. Et là, je pense par exemple au magnifique escalier d'honneur qui a été détruit sous le règne de Louis XV en 1752 et qui était alors célèbre sous le règne de Louis XIV, aussi célèbre que la Galerie des Glaces. Et il avait peint Lebrun dans cet escalier, l'histoire du règne, comme il l'avait fait dans la Grande Galerie, sous une verrière et dans un véritable écrin de marbre, puisque tout le décor de cet escalier était constitué de marbre, l'une des matières les plus nobles qui existaient au XVIIe siècle. Alors aujourd'hui, on peut admirer, en se promenant dans le grand appartement du roi, et plus précisément dans le salon de Mars, un tableau très important peint de la main de Lebrun et qui passe d'ailleurs parfois inaperçu lorsque l'on visite le château. Il y a tant de choses à voir. Eh bien, ce tableau, c'est les reines de Perse aux pieds d'Alexandre. Et je vous invite à votre prochaine visite à aller voir ce tableau dans le salon de Mars. Parce que c'est un tableau auquel Louis XIV portait un attachement tout particulier. Il a été peint
en 1660-1661 à Fontainebleau, et l'on sait d'après le biographe, le premier biographe de Charles Brun, qui s'appelle Claude Nivelon, eh bien que le roi venait très régulièrement rendre visite à Lebrun et il venait le voir peindre ce tableau. Et à cette occasion des séances hein, où Lebrun peignait sous les yeux du roi la tante de Darius ou les reines de Perse aux pieds d'Alexandre, eh bien Lebrun expliquait au roi ce qu'il souhaitait exprimer à travers son pinceau. Et donc dès le début des années 1660, il y a un lien particulier qui a uni eh bien Louis XIV et son premier peintre Charles Lebrun. Alors le sujet même de cette œuvre était bien connu de Louis XIV parce que Louis XIV s'est passionné dans sa jeunesse pour la lecture de Quincurse et de l'histoire d'Alexandre le Grand, héros antique auquel eh bien, le roi s'identifiait. Alors, il s'agit d'une scène, ce tableau, qui montre donc les reines de la suite de Darius qui implorent la clémence d'Alexandre après la victoire d'Issos. Donc Alexandre vainc les Perses à Issos en 333 avant Jésus-Christ. Et dans le tableau, eh bien, la mère de Darius implore la clémence d'Alexandre. Et ce qui est très intéressant et ce qui présente tout l'enjeu de l'œuvre, eh bien, c'est que la mère de Darius se prosterne devant le général d'Alexandre, le général d'Alexandre qui l'accompagne. Et elle se rend compte qu'elle fait une erreur et qu'elle s'est prosternée devant la mauvaise personne. Et Alexandre, dans toute sa clémence, lui accorde son pardon. Alors c'est un sujet qui peut paraître curieux, hein. C'est un sujet qui pourrait paraître aussi déplaisant pour le roi, mais en réalité, il présente des enjeux particulièrement importants parce que il a été peint ce tableau et ce sujet donc au moment même où Louis XIV prend la décision de gouverner par lui-même. Donc c'est cette nouvelle majesté finalement qu'incarne ce tableau. Alors cette œuvre semblait tellement aboutie pour Louis XIV. Eh bien que le roi décida immédiatement de l'accrocher aux Tuileries, à côté d'un tableau d'un maître du XVIe siècle vénitien, qui est Véronèse. Et ce tableau de Véronèse représentait les pèlerins d'Emmaüs, donc un sujet bien très différent de celui des reines de Perse. Mais cette confrontation eh bien, visait à démontrer que la peinture en France pouvait égaler, voire surpasser, la peinture italienne, qui était alors, dans les années 1660, eh bien, la plus réputée en Europe. Et lorsque la cour s'installa au château de Versailles en 1683, le roi a ordonné que l'on déplace les deux tableaux, donc l'œuvre de Lebrun et de Véronèse, dans le salon de Mars. Et aujourd'hui, eh bien, on peut toujours voir l'œuvre de Lebrun dans sa configuration du XVIIe siècle, tel que Louis XIV et les courtisans de Versailles pouvaient admirer l'œuvre. Donc c'est très intéressant d'avoir cette expérience-là. Et en pendant, on a remplacé l'original de Véronèse par une copie ancienne qui permet voilà, de confronter malgré tout la manière des deux artistes. Et si vous souhaitez voir le tableau de Véronèse, eh bien, il faudra vous rendre au Louvre. Lorsque l'on est dans le salon de Mars, devant les reines de Perse de Lebrun et que on lève les yeux, on peut voir également un plafond peint au début des années 1670 par trois jeunes peintres de l'Académie. Ces trois jeunes peintres, eh bien, sont peu connus du grand public. Il s'agit de Jean Jouvenet, Claude Audran et René-Antoine Oas. Chacun a peint une partie, ce qui permettait là aussi de comparer leur manière de peindre. En sa qualité de premier peintre, c'est Lebrun qui était responsable de la direction de ce chantier et qui a sans doute choisi les artistes. Et c'est d'ailleurs trois peintres qui étaient liés à Lebrun. Et Lebrun aurait pu fournir des dessins, mais l'on sait, toujours grâce à son biographe Claude Nivelon, que Lebrun a souhaité laisser libre les artistes d'exprimer leur talent individuel. Et donc, il a fait exprès, en quelque sorte, eh bien, de les laisser libres d'inventer une composition, donc qui permette d'exprimer finalement une diversité de talents. En effet, lorsque l'on admire aujourd'hui les plafonds du grand appartement, on est frappé, et vous le serez sans doute en revisitant le château, par une forme d'hétérogénéité qui règne
dans les structures décoratives. En effet, vous verrez que, si vous y prêtez attention, que chacune des structures décoratives choisies dans les plafonds du grand appartement du roi, eh bien, elles sont toutes différentes. Et il est intéressant de noter donc que, comme il y a de nombreux artistes de l'Académie qui ont participé à la décoration de ces plafonds, que Le Brun n'a pas fourni directement de dessin à chaque artiste pour les traiter les différentes compositions, eh bien, il y a cette diversité des manières qui s'expriment. Certains peintres, comme Gabriel Blanchard, dans le Salon de Diane, jouent plus sur le coloris, et d'autres, comme par exemple Jean-Baptiste de Champaigne, dans le Salon de Mercure, eux jouent plutôt sur la ligne du dessin. Je vous invite vraiment à essayer de comparer un petit peu la manière des différences, la manière dont les différents plafonds de Versailles ont été peints. Car ces plafonds, en fait, sont de véritables travaux d'équipe. D'une part, les sujets eux-mêmes, ce que les peintres ont traité, eh bien, ces sujets ont été fournis par des hommes de lettres qui se réunissaient dans ce que l'on appelle la Petite Académie. Et la Petite Académie, c'est un groupe informel d'érudits qui a été formé à la demande de Colbert et dont faisait partie, par exemple, Charles Perrault. Les travaux des peintres et des stucateurs étaient, eux, sous la tutelle de Charles Lebrun, et il fallait à la fois produire dans le grand appartement un effet harmonieux d'ensemble, mais aussi un effet de variété qui permette à l'école française, finalement, de s'exprimer. Alors, comme tous les plafonds ont été confiés à des peintres de l'Académie, cette variété permettait d'exprimer symboliquement l'efficacité de la protection de Louis XIV dans le domaine des arts, de montrer que le règne de Louis XIV a permis à toute une nouvelle génération d'artistes de s'épanouir. Alors on a gardé en mémoire le nom des artistes qui ont peint ces plafonds, essentiellement grâce aux guides et aux descriptions imprimées de Versailles, qui étaient vendues aux visiteurs du château et qui expliquaient l'ensemble de la signification des décors de Versailles. En dehors des plafonds, eh bien, le portrait présentait aussi des enjeux très importants pour les peintres qui souhaitaient travailler pour Louis XIV. Mais dans un portrait, eh bien, les enjeux étaient différents par rapport à l'exécution d'un plafond. Dans un portrait du roi, le nom du peintre importait peu par rapport à l'image même du roi. Et je dirais que le talent du peintre n'importait pas systématiquement, tellement la représentation du roi prenait le dessus donc sur l'identité, l'individualité du peintre. Il faut penser qu'on est au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, avant la photographie, et que nous sommes, nous, habitués à une surabondance d'images. Il est très facile pour nous de nous représenter sous la forme numérique du selfie, par exemple. Mais au XVIIe siècle, le portrait, c'est un événement. Et le portrait avait une puissance de représentation pour les contemporains tout à fait différente eh bien, de la nôtre quand on admire un portrait photographique. En effet, au XVIIe siècle, le portrait était véritablement l'incarnation de la personne représentée. Et c'est pourquoi Louis XIV a prêté une attention toute particulière à ses propres représentations en portrait. Alors, de son vivant, il a fait l'objet de plus d'une centaine de portraits peints, différents. Et je dirais que la différence entre un portrait gravé ou sculpté et un portrait peint, eh bien, c'est que pour les contemporains de Louis XIV, le portrait peint était celui qui était le plus proche de la réalité, donc pour l'œil du XVIIe siècle. Et cela s'explique par la couleur. On pouvait représenter, je dirais, au plus près, le naturel, la représentation du visage. Le portrait le plus diffusé du règne de Louis XIV, le portrait de Louis XIV, du roi le plus diffusé, est aujourd'hui accroché au-dessus de la cheminée du Salon de Mars. Et c'est un portrait qui représente le roi sur un cheval blanc, de profil, tandis que la personne du roi elle-même est représentée de trois quarts. Le cheval de profil, le roi de trois quarts.
Et le roi est vêtu d'un habit tout à fait somptueux, et il pointe devant lui un bâton de commandement qui est parfaitement aligné à la tête du cheval, ce qui donne, et vous le verrez si vous admirez ce tableau dans le salon de Mars, vous verrez que cette composition avec le bâton de commandement du roi dans l'alignement de la tête du cheval, eh bien, donne l'impression d'une licorne. Et la licorne, c'est un attribut royal par excellence depuis l'époque médiévale. Dans l'arrière-plan de ce tableau, au-dessus de la cheminée du salon de Mars, on aperçoit également dans le fond une scène de bataille, mais cette scène de bataille ne se réfère pas à un événement précis. Alors, ce choix iconographique peut expliquer aussi le succès de l'œuvre, puisqu'on n'ancre pas ce portrait en particulier, et bien dans une temporalité particulière. On sait, d'après les inventaires anciens, que c'est Lebrun qui a fourni, qui a inventé cette composition. Il a probablement fourni un dessin en petit au peintre qui a fait ce portrait, et ce peintre, c'est René-Antoine Oas. Et René-Antoine Oas, donc, qui a peint également quelques plafonds dans le grand appartement du roi, il a réalisé près de 7 versions identiques de ce portrait. En fait, ce type de tableau, eh bien, on les peignait en nombre parce qu'ils étaient destinés, ces portraits, à être offerts en cadeau diplomatique aux ambassadeurs qui étaient en visite à la cour pour qu'ils l'emportent ensuite avec eux, ce qui contribuait finalement à diffuser l'image du roi dans toute l'Europe. On a également fait placer, par exemple, Louis XIV a souhaité envoyer une version de ce portrait à la citadelle de Lille, juste après la prise de la citadelle, donc par les troupes royales. C'est vous montrer à quel point il était important de diffuser non seulement en Europe l'image du roi, mais aussi dans son propre royaume. Le portrait était une incarnation du roi lui-même. On voit bien que le nom, dans cet exemple, de l'inventeur du modèle, Lebrun en l'occurrence, importait peu, puisque on ne l'aurait pas su sans cette mention des inventaires. Alors, le nom de Lebrun, ou même celui de Oas, qui a exécuté le portrait, n'est pas cité dans les sources, et seule l'image du roi comptait. Alors, en fonction du prestige et du rang du destinataire de ce type de représentation, eh bien, le roi offrait soit un tableau original, fait par un peintre de l'Académie, donc des tableaux d'une qualité d'exécution très haute, ou bien il pouvait offrir, si eh bien, le destinataire était d'un rang moins élevé, une copie. Mais dans les deux cas, que ce soit une œuvre d'un niveau d'exécution très haut ou bien d'un niveau d'exécution un peu plus médiocre, c'est l'image du roi qui comptait le plus. Et certains portraitistes travaillaient pour le roi uniquement pour copier des originaux élaborés par d'autres artistes. Donc là aussi, on est dans une logique de travail d'équipe et de reproduction de l'image royale. Aujourd'hui, finalement, auprès du grand public, eh bien, le portrait de Louis XIV le plus célèbre, ce n'est pas celui de René-Antoine Oas peint d'après eh bien, le dessin de Charles Lebrun et qui est accroché dans le salon de Mars. Le portrait le plus célèbre est eh bien celui de Louis XIV en costume de sacre qui a été peint par Rigaud en 1701. Et pourquoi ce portrait est plus célèbre? Bien, ça s'explique d'abord par le fait que c'est le portrait qui a été le plus diffusé dans les manuels scolaires, sous la Troisième République notamment, dans Lagarde et Michard, etc. Et le type d'iconographie est très différent, puisque le roi est représenté en pied, non pas à cheval, comme c'était souvent le cas dans les portraits princiers au XVIIe siècle, mais en costume de sacre. Et le roi est majestueux et fixe le spectateur. Le roi est aussi plus âgé, il a les traits qui sont plus marqués par le temps. En revanche, il est frappant quand on admire cette œuvre de remarquer que les jambes du roi sont représentées de manière très solide, très puissante, très musclée, parce que le temps ne prend pas d'emprise sur le roi, sur sa capacité à gouverner. Alors Rigaud a obtenu cette commande prestigieuse, eh bien parce qu'il avait peint peu avant un portrait du grand dauphin qu'il avait exécuté donc à sa demande, et ce portrait avait énormément plu à la cour. Et Louis XIV a décidé de faire représenter son arrière-petit-fils, le roi Philippe V d'Espagne, qui venait d'être intronisé,
Il a décidé également, eh bien, de se faire représenter par Rigaud, et c'est la dernière grande image forte en peinture que l'on a du roi de France. Alors, cette spécialisation des peintres dans le domaine du portrait, eh bien, elle s'observe aussi dans un autre domaine qui est celui des cartons de tapisserie, et c'est un domaine qui est également moins connu du public. La tapisserie était l'un des arts les plus prestigieux au XVIIe siècle, et c'est un art qui exprimait pleinement la magnificence des souverains, parce que c'était un art très coûteux. On utilisait pour les tapisseries les plus précieuses des fils d'or et d'argent en guise de trame, et pour tisser une tapisserie, eh bien, il fallait 4 à 5 années de travail. Et donc, beaucoup de temps, il fallait également financer l'ensemble d'une manufacture avec tout ce que ça implique en termes de coûts de fonctionnement. Ce qui est très important, c'est que sous le règne de Louis XIV, la manufacture des Gobelins, qui est fondée en 1662 et dirigée par Charles Lebrun, eh bien, a supplanté un autre centre de production qui était alors le plus prestigieux, qui est Bruxelles. Et donc les Gobelins, c'est une marque finalement de la suprématie des arts mécaniques en France, grâce là encore au bon gouvernement de Louis XIV. Sous la direction de Lebrun, eh bien, les peintres d'histoire exécutaient donc les figures, mais il y avait également des peintres qui avaient d'autres spécialités, eh bien, qui représentaient certaines parties des cartons, comme les paysages, par exemple, des peintres animaliers exécutaient les figures d'animaux, ou bien encore des peintres d'architecture réalisaient, eh bien, les fonds architecturés. Et donc cette spécialisation des tâches contribuait là encore eh bien, à la dimension collective de l'œuvre d'art telle qu'elle était pratiquée sous le règne de Louis XIV. Aujourd'hui, la plupart des cartons de tapisserie sont conservés au Mobilier national. Ils sont en train d'être réétudiés. Mais il y a également à Versailles, dans les salles de peinture 17e, par exemple, un carton très connu et qui mérite d'être admiré. Il représente la visite de Louis XIV et de Colbert à l'Académie des sciences. Il a été peint par Henri Testelin et donc tissé sur les métiers des Gobelins. Et ce tableau montre bien en fait tout ce qui a pu faire le succès des Gobelins. Eh bien, ce qui a fait le succès des tapisseries des Gobelins, c'est la haute qualité de réalisation des cartons peints. Alors qu'à Bruxelles, les cartons, en fait, c'était différents morceaux que l'on assemblait, qui étaient peints sur des cartons forts. Eh bien, les cartons de tapisserie des Gobelins, ce n'étaient pas des cartons au sens propre du terme, c'était des véritables tableaux. Et en représentant de véritables tableaux unifiés, eh bien le niveau de qualité du tissage a pu être élevé. Outre les décors, outre les portraits, outre les cartons de tapisserie, il était également nécessaire de peindre pour le roi des tableaux de chevalet. Des tableaux de chevalet, c'est-à-dire des tableaux d'un format moyen qui étaient destinés à être insérés dans des lambris de bois, des lambris blancs et or. Et ces nouveaux besoins en termes de décoration sont apparus essentiellement dans les 20 dernières années du règne de Louis XIV. Le décor du Trianon de marbre, le Grand Trianon, qui a été bâti en 1687-1688, est tout à fait représentatif de cette nouvelle manière de décorer les maisons royales dans laquelle, eh bien, les tableaux de chevalet avaient une place centrale. En effet, à la fin du règne de Louis XIV, eh bien, le plafond peint n'était plus la référence en termes de peinture d'histoire, mais le tableau de moyen format. Les peintres de l'Académie ont répondu, entre 1688 et 1712, à cette grande commande de tableaux qui était nécessaire à décorer Trianon, puisqu'en effet, on a commandé plus de 130 tableaux aux peintres de l'Académie pour orner Trianon. Ce qui a pris à peu près une vingtaine d'années en tout, donc un très grand chantier. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que dans cette grande commande de tableaux à Trianon,
dont la plupart sont toujours en place aujourd'hui à Trianon et méritent vraiment le détour, eh bien, ce qui est intéressant de noter, c'est que les peintres n'étaient plus sous la tutelle du premier peintre du roi. Charles Lebrun est mort en 1690, et Pierre Mignard, qui a pris le relais, hein, la suite de Charles Lebrun comme premier peintre du roi, lui est mort dès 1695, et la surintendance des bâtiments n'a pas jugé utile de le remplacer. Alors pourquoi? Bien parce que les attentes étaient différentes à la fin du règne de Louis XIV. On a arrêté de concevoir des grands programmes avec les hommes de lettres. On a préféré, au contraire, laisser aux artistes, aux peintres, la liberté de choisir leur sujet. Et c'est ce qui s'est passé à Trianon. Alors pourquoi c'était possible cela? Eh bien parce que les hauts faits du roi avaient déjà été peints dans les années 1670 et 1680 à Versailles, et que Trianon, elle, était une demeure très différente de Versailles. C'était une demeure de repos, une demeure pour le plaisir du roi, et qui était essentiellement fréquentée, eh bien on le sait d'après les sources, par les dames de la cour. Les besoins étaient donc différents. Les étrangers ne se rendaient pas à Trianon, n'étaient pas invités à Trianon. Ce n'était pas un lieu de démonstration du pouvoir royal, de la puissance royale par rapport aux ennemis de la France. Non, c'était un lieu de délassement, un lieu de plaisir, d'agrément. Et donc les sujets peints par les artistes qui ont exécuté des tableaux mythologiques à Trianon, eh bien, s'inspiraient des amours des dieux, s'inspiraient de la fable et représentaient des sujets très agréables, très doux, comme des sujets de conversation entre les divinités. Et ça, c'est une nouveauté qui apparaît dans la peinture française autour de 1700. On sait, d'après les documents d'archives, que la surintendance a demandé aux artistes de puiser eux-mêmes, eh bien, dans la littérature antique pour trouver des sujets à traiter. Donc, on a vraiment ici demandé aux artistes de s'investir dans le choix des sujets. Terme de ce parcours, au terme de ce parcours, eh bien, on remarque bien que peindre pour Louis XIV, eh bien, finalement, répond à une forme de dialectique entre expression individuelle et travail collectif. Il fallait avant tout s'adapter aux attentes de la couronne. Et l'expression individuelle importait moins que la capacité des peintres à s'intégrer et à travailler en équipe. Et finalement, ce que l'on peut dire, c'est que le propre des productions princières était justement de susciter une forme d'émulation entre les artistes en les mettant en concurrence. Et cette mise en concurrence avait tendance à masquer, à niveler les individualités pour faire ressortir finalement l'importance du rôle du roi lui-même dans la production artistique. Puisque l'idée est que le bon gouvernement du roi permet de faire fleurir les arts et que le roi lui-même est auteur de l'œuvre, puisque c'est lui-même la raison pour laquelle on crée l'œuvre, on crée le tableau. Alors, peindre pour le roi n'impliquait pas nécessairement des revenus importants de la part de la couronne. Certains artistes se faisaient payer des œuvres très chères, c'est le cas de Rigaud avec son portrait du Sacre, mais d'autres, eh bien, travailler pour le roi, voilà davantage comme collaborateur au sein d'une équipe et était donc moins payé. En revanche, travailler pour le roi leur apportait un prestige tout à fait considérable et leur permettait, eh bien, de construire une carrière individuelle prestigieuse et remplie de succès. Alors, malgré sa position éminente, eh bien, Lebrun a été toute sa carrière confronté à d'autres personnalités et Louis XIV a souhaité le mettre en concurrence. Par exemple, lorsque le marquis de Seignelay a offert le portement de croix de Pierre Mignard au roi, eh bien, le roi a souhaité que Lebrun réalise un tableau qui est l'élévation de croix pour faire pendant au tableau de Mignard. On ne laisse pas une individualité s'exprimer seule. C'est le roi qui est la cause de tout. Et c'est le roi, donc, qui est à l'origine de la création de toute œuvre. Donc voilà un petit peu la particularité de ce que signifie peindre pour le roi. Il faut savoir avant tout satisfaire
les attentes royales et aussi ne pas chercher à trop se distinguer. Il faut finalement le sujet même, le roi en tant que sujet, se suffit en lui-même et se suffit finalement eh bien, à créer un chef-d'œuvre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite dans les prochains temps à bien à revoir avec un regard différent, je l'espère, les grandes salles du château de Versailles et de Trianon. Bonne visite à toutes et à tous.